Est-ce que là c'est bien? Ouais, non, un peu plus fort. Toujours un peu plus fort. Ok, voilà, c'est bon. Waouh, même un petit peu trop fort. Là, ouais, toujours un peu plus bas. Là, ouais, on va dire que c'est parfait. Oui, allô? Allô? Ouais. T'es où là? Là, je me dirige au niveau du mécano. Ok, bah, je bénis, bah, j'arrive. Ok. Désolé monsieur. Ça va monsieur? Ouais mais bon. Ouais mais je suis médecin quoi, mais dans l'auto quoi, je viens de sortir de mon de l'usine. Je pensais que tout d'un coup vous allez être dedans, mais apparemment non. Du coup voilà. Je suis désolé monsieur. Oui, vous en faites pas. Ah, salut collègue. Salut. Juste non, enfin oui, ça c'est ma voiture de fonction. Parce que comme je suis général, du coup voilà. Est-ce que tu es au courant qu'on a une radio? Parce qu'à chaque fois tu m'appelles, mais on a une radio en fait. Non, c'est une radio. Bah, normalement je te l'ai passé dans la radio. Voilà. Attends, je vais éviter de pousser mon véhicule. aussi? Ouais. Je peux avoir une voiture moi aussi en tout noir ou pas? Bah non, toi t'es un policier normal, du coup non. Oh putain, mais après ça va être chiant, chaque fois que je chasse ma voiture. Bah après, sinon je vais m'arranger de safe pour que vous ayez juste une petite Buffalo ou un truc du style. Ouais, mais non, vaut mieux pas une Kuruma par contre pour les flics. Putain. Je vais te dire ce qu'il faut. Ouais, bah ça après. T'inquiète, il y a des voitures qui sont pas chères qui font assez flics. Là voilà. Là j'ai 360 000, mais je vais acheter un petit véhicule. Oui. Oh, tu as besoin. Par contre, un trait par tête. Voilà, toi, sinon, en tant que policier, tu peux prendre une Vapid Dominator. C'est sur le Salt, le truc là, des voitures qui sont pas de luxe. Ouais. Et du coup, t'as la Vapid Dominator et tu la mets tout en noir avec le klaxon de flic. Combien? Elle coûte 26 000 ou un truc comme ça. Attends, je vais cliquer. C'est soit 26 000, 20... Enfin 26 250 ou soit 35 000. Ah ok, celle-là. Ouais. 35 000. Comme la tienne. Ouais, c'est ça. En plus c'est pas, c'est une deux places mec. Attends, Atlas, oh putain. Attends, je vais voir ça. Elle coûte 95 000 par an. Elle est pas mal. Elle est 4 places en plus. La Kuruma. Pas la blindée. Ouais, ouais, je sais. Ouais. Bah le truc après c'est que t'as un aileron déjà derrière. Après sans l'aileron. Bah après tu peux l'enlever non l'aileron. Je sais pas, je crois pas. Après l'aileron tu vois aussi, par exemple, tu vois bien la Subaru gendarmerie qui a quoi ressemble avant, elle a déjà un aileron. Toi c'est gendarmerie. Attends, tu parles dans la vraie vie ou? Ouais, dans la vraie vie, oui. Je sais pas où c'est que t'as vu ça toi. Ouais, voilà. Ouais. Oui, allô, Apple Radio. Est-ce que tu m'entends? Oui, allô, Apple Radio. Est-ce que vous m'entendez, Asta? Ouais. Ouais, t'inquiète, je sais. Bon, l'autre, il a rejoint toute la radio, mais il parle pas. D'accord, on fait pas une Kuruma, mais c'est un vrai cookie, pas d'un saut sportif, mais la Kuruma c'est sportif. Ouais. Donc vas-y, bah gros, je me l'achète là. Ok, après juste. Je lui ai dit qu'on l'avait pas. Ouais, tu la mets en roux, en noir, avec klaxon de flic. Ouais, noir avec le klaxon de flic. Attends, je vais vite fait répondre à l'autre. Ah bah, il a arrêté de m'appeler. Ouais, s'il te plaît déjà, quand t'appelles sur la radio, est-ce que tu peux répondre? Ouais, ok. Et après, bon. Du coup, tu connais toutes les règles déjà du serveur? Ouais. Ok. Juste en tant que flic, ok, t'as juste un pistolet normal et une matraque. Ok, et pour les véhicules, parce qu'en fait là, je cherche un véhicule de flic, mais... Bah, c'est soit tu prends un véhicule de flic en appelant le 911... Ou soit sinon tu prends une Kuruma, pas blindée, hein, la Kuruma normale. Tu la mets en noir avec le klaxon des flics. Bon vas-y. Tu sais comment on se connecte sur la radio? Ouais ouais. Ok. Vas-y, ciao. Oui, allô, Apple Radio. Oui. Ouais, Reality. Comment? Reality. Enfin, là, je veux parler à Reality, ouais. C'est normal que ton véhicule, il est sur le trottoir? Sur le trottoir? Oui, je crois qu'un véhicule a dû foncer dedans, ouais. Ah, bah, de toute façon, j'attends que Makoma arrive dans le garage pour Makoma, donc il va descendre la voiture. Ouais, ok. Par contre, je suis un peu bête d'acheter une Kuruma tout simple là où j'ai une blindée. Mais... Elle est là, la Kuruma. Voilà, custom pareil, non? Ouais, ouais. Tu l'as acheté sans moi? Kuruma, c'est toujours plaisir. Oh là, la patate quand même, hein. Les potes custom, tu sens quand même qu'elle a de la patate. Ok. Les gars, allez, à 1h du matin, si vous... Bah, il y aura une réunion, ok? Pour vite fait expliquer quelques trucs et tout. Du coup, faudra être au comico. Ouais. Après, si t'arrives un petit peu en retard, c'est pas trop grave, ok, parce que là, je sais qu'est-ce que t'es en train de faire. Ouais. Waouh, j'ai même pas vu les phares au suisse. Vas-y, je la customité ma voiture. Alors, blindage à fond, frein à fond, pare-choc. Moi, je mets pas un truc de course. Hein. Ouais. Moteur à fond, échappement. Est-ce qu'on peut prendre une moto? Ouais, si tu veux, tu peux prendre une moto. Ouais. Tu peux, attends, je vais te dire quelle moto faut. Par contre, les gens, ils s'arrêtent pas, moi. Pour moi, ils s'arrêtent pas tout le temps. De quoi s'arrête pas? Genre, j'ai voulu en contrôler deux. Le premier se paraît, le deuxième se paraît. Ah ouais. C'est snap. Allez, bah, j'ai déjà pour la réunion, moi. Mais après, toi, quand tu poursuis quelqu'un ou quoi, tu nous dis dans quel véhicule il est, ses habits, et tu nous dis où il est. Comme ça, on vient en renfort. Est-ce que moi j'ai le temps de mettre le plexon, parce que regarde, le plexon il est passé. Oh, c'est bien, ouais, vas-y, c'est bon. Du coup... Non, il est pas ouf du tout le noir sur cette voiture, tu vas mettre peut-être en mat. Ah, je le mets en mat moi la voiture là pour moi. Ok. Alors saut de sécurité, je ne mets pas. Vendre, bah non. Pas de caisse. Chic pas. Aileron A. Ah non, on peut pas enlever l'aileron. Ah non. Ah, on peut le mettre petit. Ouais. Les gars, la moto des flics, c'est la Western Badger, en bleu. Ah merde, parce que moi j'ai la couture là. Mais la couture what, mais ça fait pas du tout flic. Enfin, coûte combien la moto que tu dis? Je sais pas regardé. Vas-y, redis. C'est quoi le nom? C'est la... Attends, je vais voir vite fait. C'est la Western Badger, qui coûte 16 000. 16 000? Ouais. Oh bah ça va, attends. Bah oui, c'est pas cher. Ouais. Attends, je la cherche. Attends, tu peux tout là en fait, j'aurais demandé de compte. Oh là là. La Western Nameblade? Non, c'est pas ça, c'est la Western Nanjila ou un truc comme ça. J'ai 19 000. J'ai payé 19 000. Et attends, les têtes. 5 000. Western Badger. Okay, attends, je suis en train de chercher, là. Western Badger. C'est sur la file de droite. Okay. C'est bizarre parce que... Ah ouais, c'est bon. Ah, je vois. Je crois... C'est bien, je la commande. On vient de mettre niveau moteur niveau 4 hein, non c'est bon. Au pire je peux la mettre en rouge et noir. Voilà. Ça dépend de où c'est que... Non, plutôt si tu veux faire les speedy c'est bleu et noir et tout dépend de où c'est que tu mets le bleu, où c'est que tu mets le noir et tout. Le bleu c'est en dessous du pare-choc et l'aileron. En dessous du pare-choc, c'est-à-dire des néons. Là tu vois le pare-choc avant et ben juste en bas, le bas du pare-choc. Ouais, des néons tu veux mettre. Non. Pierre, attendez, il y a une personne qui m'appelle. Oui, allô. Salut. Je suis en train de faire des motards du coup, pour un nouveau métier. Bah, c'est quoi ton métier? J'aimerais bien faire policier. D'accord, bon bah... Dans ce cas-là, je vais te faire passer vite fait quelques tests, ok? Ouais. Donc, ouais, bah, allez, on va te faire passer quelques tests. Du coup, bon, bah, rejoins-moi au Comico, ok? Ouais, j'arrive. Ok. Vas-y, au revoir à toutes. 3 heures. Ouais. Bah, ouais. Regarde les phares au-dessus de la voiture. Ouais, je vois. Trop stylé, je trouve. Ouais. bon, elle est livrée. Et t'as pas pris une Kuruma comme nous? Non, j'ai pris une moto, moi. Top. Ouais. Garez-vous les gars. Bah là t'as un mec que je vais vite faire recruter. Par contre lui je vais lui faire passer des tests vu qu'on est déjà 3. Pourquoi tu veux l'appeler? Ah mais t'as dit qu'il y a des réunions Comico. Ouais. Bah pourquoi tu veux l'appeler à lui? Non c'est que les policiers. Ok. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ouais, comme ça c'est bon. Ouais. Et au pire, on peut s'échanger un peu les véhicules, moi, si il faut, les gars. Ouais. C'est la moto là qui est sur le parking, là-dessus? Ouais, c'est celle-là. Oh, merci. Comment t'as fait pour me donner du fric? Je sais pas, tu vas inventer l'argent après. Comme t'avais besoin de sous, je t'ai passé vite fait. Inventaire, argent. L'argent est roi à Los Santos, c'est écrit moi. Non, genre tu vois quand tu vas avec des petites supérettes là. Et ben les sous que tu prends, bah tu peux les donner. Cela. Ah, ça c'est sympa, merci. Bah la prochaine fois je te demanderai à des chambres de donner des millions. Ah ouais. Y'a un mec là. Wouah, il a des néons, je vais arrêter. Il a pas de néons, si il a des néons. Si, mais c'est pas illégal. C'est pas illégal les néons. Bah, du coup, on fait la réunion ou elle est bah, juste la réunion, je vais le faire avec lui vu qu'il va peut-être être flic. Du coup, mais vite fait. Bah, j'ai le temps d'aller la modifier ou pas ? Non, là on l'a fait maintenant. Attendez, faut vite fait que je fasse qu'il m'entende. Bonjour. Non, ça, lui, il est pas encore policier, c'est pour ça. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites avec de la peinture sur le visage? De quoi? D'accord. Bon, les gars, suivez-moi. Je vais vous montrer quelques trucs. Monsieur, là, je vous montre quelques trucs, d'accord? Oui. Monsieur Villa... Non, attendez. Oh, ouais. Comment vous appelez, monsieur? Je vais vous appeler... Monsieur. Monsieur, je vais vous montrer vite fait quelques trucs, d'accord? Et après, je vous ferai passer des tests de tir. Monsieur Léo. Bon, du coup... Si vous voulez, c'est moi qui vous donne... Attendez. Ouais, bah, on dirait qu'on lui a coupé la langue. Ouais. C'est bon, je suis là. Je parle avec le maire. D'accord. Du coup, déjà, ici, monsieur, c'est la salle, en fait, d'interrogatoire, d'accord? Si vous avez besoin d'aide, je vous dis juste un truc, tenez. Attends, tenez, prenez cette arme. Attendez, prenez cette arme. C'est pas ça qui me manque. Hein. Ces deux trucs-là, c'est fait pour garer les véhicules. Seulement nos véhicules à nous. Ouais, ceux d'en face et ceux-là, c'est aussi un interrogatoire. D'accord? Et du coup, ici, après, on peut monter. Attendez, j'appelle mon véhicule à propriétaire. Allô? On va emmener mon véhicule ici, monsieur. Attends, l'autre, il monte pas, là. Ah, voilà. Du coup, ici, c'est la garde à vue. Non, speak, viens, on va tous ensemble. Et du coup, bah voilà. Du coup, aussi, quand vous arrêtez quelqu'un, vous lui lisez les droits Mandela. En gros, vous lui disiez, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pouvez dire pourra être retenu contre vous. Si vous pouvez appeler un avocat si vous n'en avez pas les moyens. Un vous sera commis d'office. Et après, voilà. Bon, les gars, vous pouvez y aller, ok, je vais faire passer vite fait les tests à l'autre. Je sais pas. Monsieur, suivez-moi. Viens avec moi, faire taper avec moi. Vas-y, bah viens, là, je vais juste au modifier la... Montez avec moi, monsieur. Non, monsieur, montez avec moi. Attendez. Voilà. Ah, attendez, je vais vite fait débrouiller la porte. Tac. C'est bon. Là, vous pouvez. Bonjour. Ok, suivez-moi, monsieur. Non, t'as le droit d'avoir la minimap quand t'es un flic en fait. C'est juste, tu utilises juste la minimap. Tu l'agrandis pas. Ok. De quoi? Là, vous avez juste la minimap, c'est tout? Ouais, voilà. D'accord. Du coup, bah, suivez-moi, monsieur, je vais vous montrer quelque chose au fond. Bah, je sais pas, moi je suis en chat tout le monde pour pouvoir parler avec l'autre. Mais voilà. Du coup, monsieur, ça c'est la caisse. Enfin, ça c'est la cible numéro 1, d'accord? Cible numéro 2. Numéro 3. Et ça c'est la cible numéro 4, d'accord? Du coup, à chaque fois, je vous dirai un numéro de cible et vous devrez tirer sur la bonne cible. Il faut faire ça assez rapidement, mais prenez quand même un minimum votre temps. Parce qu'il faut tirer sur les bonnes cibles, sinon vous perdez un petit peu des points. D'accord, du coup, bah, est-ce que vous avez déjà le PPA? Le PPA, permis de port d'armes. D'accord, bon, du coup, attendez, je vais vous passer une arme. Tenez, vous l'avez reçue? Vous n'avez pas de pistolet sur vous? Attendez, je m'écarte un petit peu. Ah bah venez, attendez, faut y aller dehors, fait pour que je vous donne votre arme. Parce que là ça veut pas. Voilà, je l'ai mise par terre. Bon, rangez votre, rangez l'arme, monsieur. Bon, suivez-moi. Du coup, vous vous mettez ici, d'accord? Non, attendez, c'est pas ici, c'est ici. Voilà. Et je vais vous dire à chaque fois le numéro de la cible, d'accord? Est-ce que vous avez bien tout compris, monsieur? D'accord. Est-ce que vous êtes prêt? D'accord. 1. 2. 3. 4. 3. 2. 1. 2. 4. 3. Parce que les motos sont en bleu. 1. 4. 1. D'accord. Vous êtes sûr, monsieur, que vous avez une bonne vision? Attendez. Je vous ai mal entendu, vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi, monsieur? Parce que là, depuis tout à l'heure, quand je vous disais 4, vous tirez sur ce poteau. Ouais, je suis assis de réflexion, mais je dis que c'est on devra améliorer, quoi. Bah, regardez. Tu m'as donné que l'arme. Voilà. L'arme activée. Oh, oh, oh. Du coup, monsieur, si vous voulez, je peux vous recruter en tant que cadet, mais vous n'aurez pas d'armes, d'accord? Et après, on verra comment ça se passera en fonction de votre boulot. D'accord, bon bah... Du coup, faudrait que vous preniez une tenue de policier, d'accord? C'est-à-dire chemise bleue, gilet pare-balles noir, jean noir, ou bleu, ça c'est comme vous voulez, avec des chaussures. Okay. Et du coup, bon bah voilà. Du coup, vous pouvez... Après, niveau horaire, vous faites les horaires que vous voulez, d'accord? Okay. Du coup, attendez, je vais vite fait vous... Je vais vous donner la radio. La radio... Tac. Voilà. Là, normalement, vous avez reçu. D'accord, bah mettez-vous sur la radio. Ouais. Sergent. Ok. Bah suivez-moi. Je vais vous redéposer à votre véhicule. Ah oui, vous pouvez me rendre mon arme s'il vous plaît. D'accord, merci. Et bon, suivez-moi. Du coup, vous aurez que le droit à la matraque, d'accord, monsieur? Et après aussi, à tous les flics, le pistolet de détresse. Vous le... Ouais, voilà. Et vous le mettez en orange. Bon, je vais vous déposer au Comic-Con, monsieur. Et voici, monsieur. Ah, ils sont tous au désert ou quoi là? Eh bien, vous êtes du GIGN ou quoi, monsieur Luc Lulu? Ouais, c'est qui? Attendez, par contre, je vais voir si j'ai tout dans le corps là, tout mon matériel pour contrôler. Ouais, moi j'ai juste oublié de prendre le taser. Ouais. Si tu veux les places faites pour les motos, il y en a ici, ça c'est des places pour les motos. Okay. travailler. C'est mes cadeaux, celui-là. Les gars, j'ai un cadeau, mes cadeaux. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'y suis. Bonsoir, monsieur. Monsieur, hein? Qui parle pas. Monsieur le ministre. C'est qui le ministre? Le Joker. Monsieur le Joker. J'ai appelé monsieur. Ah non. Ouais, je pense. Ah, monsieur le ministre. C'est que je vois avec avec qui peut. T'inquiète, le 4x4 la voiture, pas grave, t'inquiète. Non mais non, comme ça vous êtes deux, c'est pas moins de voiture. On les ramener d'ici quoi. Ah ben, j'ai un affronté. Je vais te prendre et je vais ramener autre part. Ouais, c'est bon. À tous ceux qui sont dans la ville, il va se barrer. J'allais avoir le ministre au téléphone et il m'a dit qu'il fallait tous aller au théâtre. Parce qu'il va y avoir un deuxième ministre, c'est pas qui va parler. Ah le... ok. Enfin non, c'est pas un deuxième ministre, c'est un bras droit, un peu. Oui, en fait, comme un vice-président, en fait. Ouais, voilà. Le théâtre... Moi, je sais où c'est que c'est. C'est à Vinewood. Ouais, Vinewood. Alors, de rentrer à l'intérieur. Il m'a pas dit plus. Attends, je vais le rappeler. Ouais, mec, en fait... Merde, putain. Voilà. Mec, en fait, si ça existe le GTA RP sur PS4, c'est juste qu'on n'a pas tous les modes qu'il y a, en fait. Mais après, voilà. Du coup, on peut pas attacher les personnes et tout. Mais on peut quand même faire pas mal de choses. Bon, oui, les tasers. À la place, on doit utiliser des lances... Merde. Des pistolets à détresse. Des pistolets de détresse. Comme en orange. Mais bon. Et c'est pas grave. Quand on n'a pas les moyens de se procurer un PC, ça fait un petit RP, tu vois. Même s'il n'est pas forcément super bien. Ça fait un petit RP. D'ailleurs, si jamais vous êtes en affrontement... non, on n'est pas en affrontement, on est en session libre. Du coup, on hop là... Enfin, on n'est pas en session libre, on est en session sur... Non, pas sur... Je sais pas si c'est sur invitation quoi, attends. Ouais, bon, là, ils disent pas, mais je crois que c'est sur invitation. Du coup, faut qu'on vous invite et après, vous pouvez rejoindre. Ah ok, tu joues sur PC, ok. Parce que sinon après tu pouvais rejoindre leur P, mais... Voilà quoi. Wow, merde. Je conduis des fois un petit peu comme de la hara. Bon là, je sais pas pourquoi on doit y aller vite fait au théâtre. Du coup voilà. Attends, je vais me remettre en mode que les autres m'entendent. appeler tout le monde pour dire go. Ouais, pourquoi t'as trop envie de revenir sur PS4? C'est des bails serbies. Mais après, si tu veux, on peut te faire rejoindre le serveur. Hein. C'est pas très compliqué. Du coup, voilà. Mais bah. Je te préviens, ce sera pas comme les serveurs sur PC. C'est pas du tout la même chose. Très loin de là, mais bon. Ok, bon bah. T'inquiète. Tac. D'ailleurs, en plus, là pour l'instant, le RP il est pas très bien. Mais je suis en train de l'améliorer parce que je suis. On est en train de créer un Discord en fait. Et moi, je suis le cofondateur du Discord fait pour le RP. Du coup, on l'améliore un petit peu. Bon. Attends, va falloir que je me mette en mode que les autres m'entendent. C'est de la merde sur PS4. Ouais, c'est bon, je t'affiche ton message. Affiché. J'avoue que c'est pas super bien sur PS4, mais bon. Ouais, je sais, je vais regarder. Je serai sur PC, mec, mais tu sais, je regarde déjà des vidéos de mecs qui sont sur PC. Je sais que c'est bien mieux. Mais bon, c'est la vie. Allez, allez. Dans les tribunes, là. Putain, y'a personne qui est dans les tribunes, là. Oh. Les gars, faut être dans les tribunes. Bonjour. On doit prendre les armes, non? Je regarde du... ouais, prenez vos armes. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui, avec une arme? Monsieur, vous bougez pas, vous bougez pas. Qu'est-ce que vous faites avec une arme, monsieur? Montrez-nous une preuve. Ok, il arrive, ne vous inquiétez pas. Même monsieur Thibault va vous le dire. Là, je me tiens tout le monde, là, ou pas? Ils m'ont pris pour des inconnus. Bonjour, monsieur le ministre. Enchanté de vous rencontrer. Ok. Monsieur Thibault. Monsieur Thibault. Il y a... Monsieur Thibault. Oui. Monsieur le policier ne croit pas que je suis un garde du ministre. Oui, oui, mais montrez-moi votre badge. Votre badge. Vous avez pas un badge fait pour comme quoi vous êtes garde du corps? Bah, comment je vais faire pour montrer un badge? C'est bon, je l'ai vu votre. Désolé pour votre imprévu, monsieur. Excusez-moi. Ouais, vous en faites pas. C'est moi qui connais pas encore bien tout le monde. Vous en faites pas. Attention tout le monde. Monsieur Thibault, je me mets ici, vous me mettez de l'autre côté, monsieur Thibault. Okay. Hop là. Allez, hop là. Dans une minute. Collègue, pourquoi tu t'es garé là avec ton véhicule? Mets ton véhicule là-bas. Non, mais c'est au cas où s'il y a un problème et que je sois prêt à partir. Non, mais mets ton véhicule là-bas, ici c'est pas un parking. Regarde sur ton Xbox, non? Sur ton Xbox. Ouais, mais mec, en fait, moi, je peux pas avoir un PC à 500, à 1500. En fait, moi, j'ai que 13 ans, tu vois. Du coup, pour me procurer un, c'est un peu compliqué, quoi. Moi, déjà, j'ai déjà économisé une fois, mais... Voilà, après j'avais envie d'acheter des jeux sur PS4, la fête des mères, la fête des pères. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent bizarre, mais bon voilà. Du coup, enfin bref, pour moi c'est un peu impossible. Toi, t'es limite, mais c'est bon. Toi c'est bon et toi c'est bon. Ok. Ça commence dans combien de temps? Surtout pour vous, à cause de vous, à cause de moi, vous avez, enfin, à cause de vous-même, vous prenez la main d'habitude. Ouais, ok. Vous devrez pas être comme ça, monsieur. Collègue. Il a fini son discours ou... Ouais. Ici, à toutes les unités, vous savez qu'avec votre grade, vous avez que le droit au pistolet, en fait. Bah... Ah. J'avais cru avoir vu une autre arme, mais bon. Qui, moi? Non, Atlas. Atas. Enfin, je sais pas comment ça se prononce. Mais... Atalabista. Ah ouais, hasta la vista, ok. Hasta la vista, baby. What? Je vois quelqu'un faire des trucs bizarres derrière. Bonjour, le ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Allez, olé. 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 Ok. Olé. On arrête. Ah ouais, ok. J'étais monté avec l'ancien capitaine, je crois. J'étais monté à un grave. J'avais le droit aux hommes comme toi. Un archéo. Bah... Depuis quand t'es capitaine? Non, pas capitaine. J'ai pas dit que j'étais capitaine, j'ai dit que j'avais été monté. J'étais cadet, après j'étais monté officier. Ouais, mais en fait, c'est juste quand tu deviens officier, t'as le droit au pistolet. Et quand t'es cadet, t'as que le droit à la matraque. Okay. Et aux pompes? Le pompe, ça, oui, vous avez le droit, mais faut l'utiliser qu'en cas d'extrême urgence. D'accord. Ok. Ouais, monsieur, monsieur le ministre, il a fait faire de la tente. What? Bon, là il manque des personnes, je crois. Ouais, il manque. Attendez, je fais la carte rapidement. Faut aller les chercher ou pas? Bah non, ça va être venir. Je vais faire le tour de la scène, donc s'il n'y a pas de, voilà, de terroristes, je vais regarder un peu autour de la scène, ok? Vous avez déjà appelé les kings? Lui, il a pas compris le petit lame aussi, il a fait le champion William. Regarde, monsieur le ministre qui a parlé, on écoute. Bizarre, je n'entends pas. Ouais, moi aussi. Bah, en fait, il peut pas parler, en fait. On est obligé de l'appeler. Parce qu'il a un petit problème de gorge, du coup. Mais du coup, je sais pas comment il veut faire son discours. Pourquoi il peut pas faire le discours devant tout le monde? Le discours, pardon, devant tout le monde. Bah, il a un petit problème de voix. Je pense qu'il faut peut-être y aller sur le Discord. Bah non, il a pas dit qu'il fallait y aller sur le Discord. Bah attendez, je vais l'appeler pour voir avec lui, parce que... Ah bah il est occupé. Oh là là. C'est qui de nous aussi qui pue là? Sergent Imèche, il est parti. Okay, ouais, je vais faire ma tenue vite fait. Dylan Boss, oui, je vais l'appeler. Wow, il y a eu une explosion. Il y a une explosion. Vers la montagne, Ok. Venez, monsieur. Ok, monsieur, je c'est lui, c'est peut-être sur la voiture là-bas. Oh, t'as pas quoi? Il y a une voiture qui vient d'arriver juste avant l'explosion, les gars. Oh, oh, c'est quoi ça? Monsieur, bougez vite. Monsieur, bougez. Il y a une explosion pas loin. Partez. Monsieur, bougez pas, monsieur le ministre, restez où vous êtes. Monsieur, partez, il y a une explosion dans les parages. Il est juste avant l'explosion. Protégez-le. Monsieur le ministre, montez, monsieur le ministre. Oh. Ok, à toutes les unités, faites les tours. Enfin, faites le tour. Punaise. Monsieur le ministre, montez vite. Non, mais en fait, le ministre ne peut pas vous entendre. Pourquoi? Je vais surveiller ça. Restez vers la scène. Surveillez les alentours. Y'a un mec à droite. À toute facilité, à toutes les unités de venir, à toutes les unités. Où c'est que t'as vu quelqu'un à droite? Regarde, Dylan, tu vois ou pas? Non, je le vois pas. Tu veux me suivre, prenez le voir? Ouais, vas-y. Attendez quoi. Thibault, pourquoi il parle pas au ministre? Non, non, il a un problème de gorge. Ah d'accord. Mais il peut nous entendre. Il a fait un contrôle de papier quand même. On sait jamais s'il a une arme sur lui. Monsieur Dylan, vous pouvez me montrer photo s'il vous plaît? Il y a une explosion, j'ai entendu une explosion, j'ai entendu une explosion. Ok, ok. Vous descendez, monsieur. Descendez du véhicule. Il a une arme sur lui là, non? Je sais pas, je vois pas d'arme. Ok, monsieur, on va procéder à une fouille. Ok. Passez-moi vos papiers, monsieur. Faites des fouilles, monsieur, police. Faites des fouilles. Monsieur, passez-moi vos papiers. Oh, ça m'énerve. Il y a 5 minutes avant. L'explosion, elle a sorti quand même près de mon épée, donc elle peut être ici ou vers les montagnes, mais celle qui a dû descendre, je sais pas. On n'a pas de preuves. Monsieur, monsieur, monsieur. J'ai plus l'impression que ça venait des montagnes. Mais faites attention, vite à l'arène, vite. Monsieur, vous étiez où il y a 5 minutes environ? Faites attention. Faites au ministre de monter, hein, faut se barrer. Allez sur la scène, monsieur, parce que là, il y a... Oh, Starfall là. Monsieur, vous étiez où il y a 5 minutes environ? Bah non, il parle pas. Ouais, allez, vous montez dans le véhicule de mon collègue tout de suite. Vous montez dans le véhicule de mon collègue, c'est bien compris? Ok, ok. Oh, tu montes dans le véhicule de mon collègue. Tu montes. Ok, on l'amène au comico. Oh, ouais. Je te suis. Vas-y, brûle. Monsieur le ministre. Maman. Monsieur Thibault, il faut demander... Monsieur Thibault. Oui. Bah Thibault, je vais m'occuper. Faut demander à des gens si ou un sniper d'élite s'il peut surveiller les alentours. Faut essayer d'en engager un sniper d'élite surveiller les alentours. Je vais monter en haut, je vais prendre ma valise, je vais prendre mon sniper et je vais vérifier. On va lancer un interrogatoire direct. Monsieur le ministre avait quand même de rien. Vous avez vérifié s'il n'était pas blessé, le ministre? Oui, j'ai vérifié, il a rien vu. Par contre, au pire, je vais aller sur le live, en direct de monsieur le ministre, qui va voir un petit peu. Un véhicule de flic si tu veux pour toi, Narqueux. Oh, aïe. Ah, ma jambe. Ah. Ah, ok. Apparemment, la personne avec qui t'es, elle est sourde. Je mets en salle d'interrogatoire. Ouais, mais apparemment, il est sourd en fait. De quoi? Apparemment, il est sourd. Bah ouais, je vais l'appeler, normalement ça va. Voilà quoi. Tac. Oui, allô. Ah. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi on vous arrête? Bah pour refus d'obtempérer, tout simplement. D'accord. Bah on vous a dit plusieurs choses et vous n'avez pas répondu. D'accord. Mettez-vous ici, monsieur, pour que la porte elle se ferme. Voilà. Du coup, vous étiez où il y a environ 8 minutes, 10 minutes? D'accord. Et avant qu'on vous arrête? Bah pareil, je voulais d'arriver en ville. Et vous n'avez rien fait d'autre? Non. D'accord. Bon. Du coup, je vais vous fouiller, ok? Du coup, ok, vous avez rien d'illégal sur vous. Après, ouais. Passez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît. D'accord. Bon. On va dire que c'est bon, d'accord? Mais la prochaine fois qu'on vous voit près d'une explosion ou quoi que ce soit, bah, vous serez un petit peu dans notre collimateur. D'accord, au revoir. Vous pouvez y aller. Et t'as répondu à une archéo ? Ouais, fallait juste l'appeler en fait. Il a dit quoi ? Bah, soi-disant, il était juste en train de rouler et tout. Il avait rien sur lui. Et puis, je crois que ça venait plus de vers la montagne, l'explosion, et lui, il était à l'opposé. Du coup, je lui ai juste dit que, bon, bah, la prochaine fois qu'on le voyait près d'une explosion, il allait être dans notre collimateur. Mais... voilà quoi. Ok, bah... du coup, bah là on fait quoi là? Il y a une voiture de flic, si tu veux, va la prendre, comme ça on est deux. Ouais. Et maintenant, bah je te suis. Attends, je vais juste faire quelque chose vite fait, je vais appeler quelqu'un. Vas-y. Hi, what service are you looking for? Venez tous. Et Thibault. Bon. Je vais faire un petit contrôle de papier. Avant de rentrer, on fait des contrôles avant de rentrer dans un coin, on fait les contrôles. Ah monsieur, on peut passer, on peut faire un GTA. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je peux vous demander vos papiers, s'il vous plaît? C'est un contrôle comme ça. Ouais. Punaise. Wow. Je vais aller vérifier les alentours. Comment? Je suis sans papier en fait. Ah, comment ça se fait? Je crois qu'il pète des fleurs tout le monde. Vous êtes nouveau? Ouais. Alors que je te laisse interroger, parce que je comprends pas trop pourquoi elle a pas de papier. Ouais, bah déjà en fait c'est illégal de pas avoir de papier. Hein. Monsieur, vous savez combien ça vous coûte fait pour quand vous avez pas de papier? Sergent, on doit partir, on doit quitter les lieux avec vous. Ouais. Oh, tu restes là. Ok. Du coup, tu dois nous passer une facture de 300 €. Et si dans une semaine tu te ramènes pas au Comico avec des papiers, bah la prochaine fois qu'on te voit, c'est la prison fait pour 10 ans, d'accord? D'accord, je vais faire mes papiers au plus. Sergent, je vois. Du coup, faites-moi vite fait le virement. Je vais monter sur le toit, monsieur. Je vais prendre ma voiture, je vais monter sur le toit. Vous savez comment on fait un virement, monsieur? Ah non, je sais pas. Monsieur, vous? Oh là là, attendez, je vais vous montrer. Je te dépose au Comico, je rentre chez moi, je suis dans la voiture. Je vais prendre un peu de jour de repos, ça je suis en tête. Monsieur, c'est quoi votre coût? Oh monsieur, revenez là, vous avez pas fait la facture là. Autour on l'emmène au Comico, le temps, si quand il peut faire la facture, ben c'est comme un sursis en fait. S'il paye la facture, ben ça va. Ouais mais attends, normalement là il va l'envoyer. Je crois qu'il est en train de l'envoyer. Il a une prime à payer par contre. Si vous vous avez un mec avec une Lamborghini qui paye pas ses factures, il va falloir une amende pour mauvais stationnement. Je sais pas comment payer ma facture. Lamborghini... Ah bah je vous... Vous avez pas reçu mon message? Ok. D'accord, bah en fait vous faites comme ça les factures. Ouais. Alors que j'ai un message du président, faudrait exclure on... Ouais. Attends, merde. Je me rappelle plus de son nom. Appelle ministre urgent. Ok. Non, il faut exclure on je sais pas bien, GTA. Ah, en SS GTA. Bon bah, désolé, mais vous allez être renvoyé de la ville, monsieur, vu que vous avez pas de papier. Archio. Ouais. Les gars, moi je prends des jours de repos dans la Kuruma, là, je vais me poser un peu. Ok. Je dirais ça aux... à ceux qui n'ont pas entendu ça. Allez, vas-y, qu'on part. Il a pas le droit de klaxonner, lui. J'ai pas l'arrêté, ça va faire trop d'arrêt. Oh là là. Ouais. Vous voulez faire une patrouille? Collègue? Oui. Bah ouais, vas-y. Ok. Bon bah, let's go. Il y a un mec en haut là, Vin Viking School là, je vais aller voir. Et nous. Non mais les gars, en fait, je crois que vous avez pas compris. La minimap, vous avez que le droit d'aller vers les personnes. Enfin, si déjà vous les avez vus avant, et après, c'est quand vous êtes en course-poursuite, lorsque vous les voyez encore sur la minimap. Mais pas genre sur les toutes extrémités. Il y a une moto volante, c'est normal. Non, pas du tout. C'est qui ? Ouais mais qu'est-ce qu'il fait le président? Enfin le ministre. Bah le ministre il fait n'importe. Ouais mais il a pas le droit normalement d'être dans ce genre de véhicule. Attends, je vais me mettre de côté parce que si je regarde le téléphone en même temps. Je crois que ça va vous choquer là, la voiture elle est. Attends, vas-y, je te laisse conduire, ok. Je te fais une clope. Ah, il y a un meurtre. Le ministre, il a fait un kill. Bah, on peut pas le savoir, on est pas au courant. C'est vrai. Il faut exclure lui qui l'a tué. Aussi Dylan. Ah, par contre, ouais, Dylan Ball a rien fait. Mais pourquoi il veut pas Dylan? Dylan, il me semble que c'est un vieux de RP et tout. Monsieur. Bonjour, monsieur. J'ai payé mon amende. Ouais. Ouais, il doit payer une amende. Non, je retourne en radio. Wow. C'est bon. Donc monsieur, pour mauvais stationnement, ça fait une amende de 17 euros. C'est pas grand chose souvent. Vous n'avez pas de points en moins. Donc 17 euros. Le président a été tué. Mais... merci. Mais... hop, merci. Et ben passez une bonne fin de... enfin une bonne journée parce qu'on est quand même 2h20 du matin. Et je suis fatigué. J'ouvre la porte. Monsieur, si vous voulez, je peux vous de... je peux... Est-ce qu'on a droit à voiture tuning voiture tuning, c'est-à-dire? Genre avec les pneus couleur jaune. Ah ça, oui, t'as le droit. Ok. Par contre, il est pas trop chez lui, là, en fait. Il a utilisé un parking, mais pas d'une vraie maison, en fait. Dans une maison de Benji. Ah mais peut-être qu'il fait genre que c'est sa maison, je sais pas. Mais what? Oh, par contre Dylan Bois, si Dylan Bois est le ministre, on va le tuer un petit peu. Ouais. J'ai un peu patrouillé sur le côté là. Parce qu'il y a, quand même besoin de renfort vers le lieu de crime là quand même. Ok. Allez, vers, là il y a une autre moto volante. Mais là c'est... ah ouais ouais, besoin de renfort les gars, il y a une moto volante sur le mini. Ça tire, okay, ça tire. Attendez, je vais vite fait faire passer un message en... ouais, tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Celui-là qui vient de tuer le Premier ministre, faut l'exclure, ok? Vite, vite, les gars, il faut tuer Dylan Blow. Ouais. Donc, attends, j'appelle le chef. Le commissaire, monsieur? Oui, venez. Ah, il s'est aujourd'hui à 4 pays, tu vois, attends, on va aller voir ça. Ouais. Tu sais aussi que les feux c'est que 5 secondes ils mèchent. Par contre pourquoi Vilari m'a tué là? Attends, on va appeler Vilari direct. Ouais. Là c'est fermé aussi encore. Attends, rapidement j'ai le brick. Je vérifie un peu avec mes collègues parce que c'est pas vraiment le chef. Les gars, besoin de renfort. Quelle position? Je vous dis ça tout de suite. Vers Avic. Vers l'autoroute de Vinewood. Autoroute de Vinewood, ok. Vers l'hippodrome si tu veux. C'est gratuit. Ok. Et donc vous savez pourquoi monsieur le ministre a perdu sa langue? Je crois que c'est parce qu'il a été trop signalé en fait. Il a quoi? Il a été trop signalé. Okay. Il a trop été signalé. Bon, moi je vais me dépêcher, je suis très fatigué donc je vais aller dans mon lit. Les gars, besoin de renfort sur Dylan Blois là, c'est urgent là. Ouais. Mec, active les... active le code 3. Ok. Faut que je... voilà. Les gars, faut escorter le président là. Faut le ramener à un lieu sûr. Demandez aux ceux qui escortent le président de le ramener à un lieu sûr. Non mais c'est pas lui qu'il faut arrêter, mais oh là là, il mèche. C'est pas lui qu'il faut arrêter, wesh. C'est pas lui qu'il faut arrêter en fait. C'était derrière, c'était pour derrière en fait qu'il fallait mettre. Mais où? Oh là là. Ok, là c'est tout droit. Ouais, du coup c'est exactement où? Tourne. Waouh, putain. Je vais passer là. Ouais. Ok, toujours tout droit. Ok, là. Ouais. Mais je crois que là en fait c'est plus vraiment RP. Je crois que c'est parti en zbul, tout ça à cause de petits cons là qui se sont amusés à foutre la merde. Ah merde, excuse. Vas-y monte. Ouais. Oh, les... Mais pourquoi il a fait ça ce bolos? Vous organisez des tunnels, messieurs? Ça, il tue. Mais je sais pas. Ouais. J'arrive avec ma voiture, monsieur. Je suis obligé de voler des voitures de Benji. Je te prends l'Hydra ou pas là? Est-ce que je peux prendre l'Hydra là? Les gars, signale-le hein. Vraiment... Attends, je dois demander au chef là. Ouais. Est-ce que je peux prendre l'Hydra? Non, on n'a pas le droit d'hélico. Mais je crois que c'est plus RP. Attendez, je vais appeler Joker. Non, en urgence, là, je serai pas là, t'es sûr? Oh, attendez. Bah attendez, moi je vais l'appeler avec son numéro de téléphone. Au pire, si vous qui répond pas. Tac. Récent Joker. Ouais, c'est bon, j'ai l'autorisation pour un Hydra. Ouais, mais du coup là c'est plus RP. Ok. Ouais les gars, c'est plus RP, on les allume juste. Les gars, là c'est bon, on arrête un peu l'RP, on va le tuer les gars. Ouais. Pinaise. Comme c'est nimp, toi tu l'appelles sur le jeu, moi 2 secondes après je l'appelle dans la vraie vie. Putain. Bon. Ouais. Pour me rappeler les cibles. Du coup c'est en SS là, machin dule. Ouais, SS après. Et Dylan bois. Loin, ouais. Oh punaise, t'as la traîne nous tire dessus. Eh là on va l'écraser là, faut l'écraser, c'est le moyen de tuer en fait. Hein. Ah putain. Et au pire tu sais quoi? Je vais dire à Joker kill boot si jamais le gars il est invincible en plus. Qui est invincible? En SS là, j'ai l'impression qu'il est invincible. Bah l'Hydra, t'inquiète pas qu'il sera pas invincible hein. Tu me mets invisible sur le radar? Non, c'est bon. Ok, il est derrière. J'arrive à tuer là. Alors lui déjà. Alors par contre les gars, faudrait vous enlever parce que là je vais pouvoir vous tuer là, donc faites gaffe là. Parce que là, ça doit se faire exprès. Ouais bah attends, au pire je vais faire en sorte que nous on peut pas se tuer. Invitez-moi dans votre... Ah bah c'est bon, non, rien, ouais. Attends, je suis en mission, mais bon. Ah, je serais bien pour pilote de chasse, hein. Ah bah. Là, après, si tu veux, tu peux faire ça comme métier. Attendez, là je vais me mettre en chat tout le monde. J'aurais dû garder mes armes. Les gars, vous avez pas des motos volantes là pour bien péter là? Ouais, j'avoue. Si, j'arrive. Comment je pourrais faire? C'est ça qu'il faut, au moins j'irai, je pourrais revenir. C'est quoi ton pseudo s'il te plaît? Ouais, c'est bon, comme ça, attends. Ok, on est au niveau du bar à pute. Le gars, il est au niveau du bar à pute. J'ai dit qu'il était au niveau du bar à pute. Oh putain. Normalement, il va respawn là-bas. Ok. Ok, putain. Merde. Les gars, c'est moi là. Ah, merde. Ouais, c'est le, voilà. C'est pas le jaune. Hein. Ouais, c'est le violet. Ok, Mathieu. Moi. Y'a qui travaille pour l'armée là? Moi. Tous ceux qui sont en violet, normalement ils travaillent pour l'armée. Wow, wow, désolé. Putain, j'ai voulu viser et puis tirer sur les flics. Putain. Ouais. Attention, la moto. Ouais, je suis là moi. Je vais chercher un Hydra là. Bah prends ça, prends la moto. Non, t'inquiète, 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 merci. Là je voudrais savoir c'est qui les mecs de l'armée là, je puisse m'associer à eux là. Ok, le gars il a pris une moto volante. Putain. Quelqu'un peut m'escorter là vite fait jusqu'à mon hydro? T'es où? Je suis là juste à côté de toi là. Putain, c'est quoi déjà ton pseudo? Ouais, Serge. C'est quoi ton pseudo? Attends, juste à côté de moi. Ouais, t'es vachement juste à côté de moi. Ouais, ça y est, je suis là. Oh. Bah, allez, je suis mort. Ah. Ouais, il m'a envoyé une invite dans le carte vocale. Oh, putain. Ouais. Ouais, vous pouvez aller nourrir les dinos, les gars, sur le serve le temps que je rejoins. Bah moi je suis même pas sur le serve encore, je suis encore sur oh, GTA. Non, mais parce que moi je peux pas rejoindre moi. Pourquoi? Ah, la mise à jour elle est pas finie, frère. 8 heures de mise à jour. Ouais, tu m'avais dit que c'était que 3 heures, faut savoir. Il me reste 43 minutes. Ok. Mais en fait, pourquoi c'est parti en couille? Ouais, mais qui...